Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Compagnie des Cygnes sur Battle Brothers, toujours. On se retrouve après avoir nettoyé notre petit camp orc, et on a fait quelques rangements dans l'équipe. J'ai mis à l'arrière ceux qui étaient vraiment dans le mal. J'ai du coup placé devant, d'ailleurs, je vais inverser ça, je vais mettre Lothaire devant, Falsag qui a une blessure légère un peu derrière, et du coup j'ai mis. Comment il s'appelait? Yilek Kadrek, qui a des javelines en deuxième ligne à la place de Traegel, le temps que Traegel se remette un peu. Et on a du coup Jodrick Nightswatch qui nous rejoint avec son étoile du matin. Donc du coup, l'objectif c'était passer par Dunkelburg, parce qu'il fallait qu'on aille récupérer des trucs, enfin déjà récupérer notre récompense, mais surtout vendre un peu de bordel. Alors il y a du Morbac ici, on va les éviter. Putain, il nous trace après, c'est con. Cours, 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 cours. Ça va, ils sont un peu lents. Ils sont 13, hein, et pour être tout à fait honnête, j'ai fait la bataille avant ce record, et ça s'est super mal passé. Où est-ce que tu vas? Ah, ça c'est intéressant par contre. On va les attaquer à deux du coup. Ouais, et en fait, ils ont réussi des coups critiques. J'ai passé des tours entiers à rien foutre, à regarder mon mec rater des coups à 80%. Enfin, c'était compliqué. Donc du coup, ça m'a lourdé. Puis en plus, j'avais perdu la moitié de l'équipe. Donc j'ai décidé de reload la partie. Et du coup, ça tombe plutôt bien. Par contre, cet endroit est complètement à chier à défendre. Donc on va aller le prendre tout de suite. Hop, on va la jouer un peu agressif. Est-ce que je vais là? Ouais, je vais aller là. Regardez un peu ce qu'ils font eux. Toi, tu vas aller par ici. Tu vas attendre pour l'instant, toi tu vas attendre aussi. On va les laisser à venir, voir un petit peu ce qu'on peut faire d'eux. Qu'est-ce qu'on a avec nous? Surtout du corps à corps, ils ont pas l'air d'avoir de trop de tireurs. Par contre, ils ont plusieurs mecs avec des armes assez efficaces de loin. Alors là, on va rester dans le coin, je pense, avec le sergent, parce que les morts-vivants ont quand même un sale malus de morale. Lui, il a été un peu tout seul devant quand même, hein. Oula, c'est quoi ça? Weirdganger, ok. Donc eux, ils avancent les anciens auxiliaires en ligne, hein. Belle grosse ligne, bien bien formée. Par contre, ils ont tous des boucliers, sauf lui. Et eux, ils ont des armes. Des armes qu'on n'a pas envie de se prendre, des trucs à deux de distance très probablement. Donc ils vont avoir une résistance aux dégâts perforants. Pas de miracle. Falsehag, il va avancer un peu, je pense qu'il peut se le permettre. Il va faire un petit mur de bouclier. Putain, ils sont agressifs les mecs. On va les suivre. Hop, un mur de pique ici. Ici on peut y aller, ici on va faire un mur de pique. Alors là du coup on peut lui balancer des javelines. Bah ici du coup est-ce que j'avance? Ouais, ils ont beaucoup de boucliers donc j'aimerais bien que mon destructeur de boucliers soit devant. Pareil, toi tu vas avancer d'une case, voilà. Tiens, lui, non, ça c'est. Je croyais que c'était un. Il avait un bouclier un peu comme les autres, mais non, c'est Ilex. Du coup, on va aller par là, bien central. On peut taper sur personne, hein, non? Alors, bah, il me tape sur moi, bien sûr, parce que sinon, ce serait pas drôle. On va aller là et tenter un tir sur ce mec, du coup. Ah, d'accord. Ok, très très bien. Eh ben, écoute, fais donc ça. Ils vont quand même pas charger, putain, la vache quoi.
Lui peut nous taper dessus sans s'approcher de notre mur de pique. Ah, dommage. Bien, bien dommage ça. Ok, un premier coup qui rate. Très bien, il a réussi à s'en occuper. Bien joué. Toujours sur moi qui tape. Alors, on va essayer de le taper nous aussi. Raté. Pourquoi il l'a repoussé là? Merde, qui c'est qui est Wavering? Bon, je vois pas. Bah ici du coup, on va taper aussi. Hein. Par contre, on est un peu isolé, ça m'emmerde un peu. On va plutôt essayer de tirer sur lui d'ailleurs. Ah, ils sont plus efficaces que moi les mecs. Hein. Allez, tirons là-bas. Ok, raté. Alors ici, on peut tirer sur... On va tirer sur ceux qui sont... qui menacent nos mecs. Hein. Genre là, voilà, hop. Alors ici, on va casser le bouclier de ce monsieur, voilà, pour que G-Roy puisse taper de manière efficace. Ici par contre, bah, on sert à rien. Et si je vais là, bah, c'est super risqué. Donc ça me fait un peu chier. Pour l'instant, on va attendre, voir s'il y a des trucs qui se débloquent. Là, ici, on peut taper sans le bouclier. On a au moins réussi un coup, genre ça. Alors là... Kiridri qui prend cher mais de cher. Ah, ça c'est cool. On va pouvoir avancer là peut-être pour tenir la ligne. Risqué mais ça se tente. Voilà, parfait. Ça remontera un peu le moral. Alors du coup, faut qu'on tape sur ces saloperies. Ici on continue de taper là, deux fois le bouclier, très très bien. Oh dis donc, ils ont une sacrée action là. Ok, ils ont décidé de s'acharner sur Kiridri. Il a une blessure à l'épaule. Ah parfait, chargez-moi ces cons là. On s'en occupe vite. Ok, ici un peu de javeline, on peut tenter. Au pire, ça a fait un peu mal au bouclier. Ici, on peut avancer du coup, retenter un coup, rater. Là, on monte. On va essayer de balancer un petit javeline là-dedans. Dommage pour le bouclier là. On n'a plus de munitions. Ah bien joué, a réussi à le stun. Et à le finir. Alors du coup c'est dommage, t'aurais dû attendre. Ici on va pas charger avec Kiridri, on va faire un shield wall plutôt. Par contre on va charger avec G-Roy. Hop. Bon on va pas essayer de sauver les armures hein, parce que les mecs sont quand même vraiment vénères. Donc on va essayer déjà de s'en débarrasser et de survivre. Ça me paraît plutôt une stratégie sur le long terme, on va dire. Ici on va aller par là-bas. Un peu à portée d'eux mais c'est risqué, hein, j'en entends bien. Là on se met par ici, on tape sur celui-là avec 95% de chance. Ah parfait, la stun, bien joué mec. La riposte qui a bien fait le taf ici. Allez, on tape, on tape. Ici du coup on n'est plus au contact avec personne, donc faut qu'on aille par là. Sachant que si on dure, ils vont finir par ressusciter les mecs. Hein, donc faut qu'on se bouge les fesses. Ils sont hyper efficaces leur Billman, la vache. C'est la fête.
On va aller se mettre là. Hop. Donc là on a plus de munitions, bah de toute façon on n'a pas grand chose à faire. Hein. On pourrait charger jusqu'ici mais on pourra pas taper après donc je ne suis pas bien sûr de voir l'intérêt. Je pourrais faire ça pour prendre l'XP à la place du mec. Allez on va faire ça. Commence à faire sombre dans ce jeu dis donc. On va aller là. Tenter un petit truc ici à 7% de chance, pourquoi pas. Alors j'ai pas du tout envie de me coller à lui en étant en bas, hein. Donc on va plutôt aller par ici. Là pareil, on va prendre le marteau et on va aller par là pour se préparer à d'éventuels trucs qui ressuscitent. Alors ici, on détruit son armure, un peu dommage mais bon, il faut ce qu'il faut. Ici c'est pareil, on va se reposer avec Kiridri. Voilà, parce qu'il va y en avoir qui vont revenir à la vie. Donc autant qu'on soit prêt. Ah, je peux pas tirer dessus parce qu'il y a une brush devant, vous êtes sérieux? Oh, tristesse quoi. Ici, bah pareil, hein. Il y a un peu trop de monde donc on va attendre. On sait pas pour les dégâts qu'on fait avec nos arbalètes de toute façon. Ici, on va aller derrière lui. Oh, il a mis un coup à un Wildman, attention. Un Footman, pardon. Donc là, je vais le laisser se démerder. J'ai vraiment pas envie de risquer d'être... il est presque mort en plus, donc... risquer un coup critique d'en bas, ça me fait moyennement triper, enfin, très honnêtement. Ok, ici on se regroupe. Bordel que c'est, quoi. On va peut-être pouvoir le finir, ils vont peut-être réussir à le finir avant, il y a lui qui va pouvoir attaquer à d'autres distances. Non, ici bah on peut pas taper. Ici on peut pas taper. Ici on peut taper. Essayer de voler le kill, parfait. Du coup bah il reste plus que lui hein. Et c'est bon. Ok, donc Falsac qui prend un petit niveau, sinon on a gagné un peu d'XP mais rien de fifou. Et au niveau du loot on récupère un joli casque. Ouais, et puis un peu de la merde. Hein. Tiens, on a récupéré une missile à Spire, hein. Pas de vie. On va regarder en speed ce que vaut du coup la lance, vieille lance là qu'on a eu. 20-35, 30-35, ouais, c'est de la merde. Et le casque, 140. On a tous des trucs à 140. Sauf notre tireur. Ça c'est du 140 aussi, ça c'est du 140, ça c'est du 140, ça c'est du 200. Ça c'est du 110. Donc on peut donner un petit casque rouge à Monkey le Sergent, c'est plutôt classe en plus, ça tombe bien. Et ben merci Sir Dunkelburg Company, nous a bien aidé. Bon par contre les munitions, c'est le drame. Il va falloir qu'on vende des trucs aussi parce qu'on a plus assez de sous pour payer la compagnie. Bien sûr il fait nuit, ce serait dommage sinon. Donc on va camper, tant pis. Alors, ah oui, on avait réussi notre ambition, alors qu'est-ce qui se passe? Donc on peut mettre fin à l'invasion des morts-vivants. Ok. Donc on doit construire une réserve de 10 000 couronnes. Buter des orques. Dix mille couronnes. Allez, on va tenter 10 000 couronnes, tiens, parce que pourquoi pas. De toute façon, c'était mon objectif d'avoir du blé, donc. Donc déjà, on va vendre nos merdes. Voilà, ça. Les fourrures, on a peut-être moyen de les vendre un peu plus cher que ça. Donc ce truc-là, on vend. Ça, c'est de la merde. Ça et ça, c'est de la merde. Ça c'est de la merde, les petits boucliers de pourri, ça on vend aussi. Voilà, déjà on s'est refait un petit pécule suffisant pour racheter des munitions. Ici il y a des munitions à 90, on va les prendre. Hop. Des outils par contre c'est un peu la dèche hein, dans le pays les outils.
J'aimerais bien aussi trouver un meilleur marteau, mais bon, on verra plus tard. Falchion, on va le vendre. Curieux, le falchion, on va le vendre. Ça aussi. Ça, clairement, on va le vendre. Arc et flèche, on va attendre. La fourche, on s'en fout. Milicia Spire, on s'en fout. Il n'y a pas mieux que ça d'ailleurs comme lance au bout d'un moment. Il n'y avait pas un armurier ici. Oh, mais c'est les armures. Ouais. Un forgeron. Non, un fletcher. Ah, il y a un kennel. On pourrait acheter un nouveau chien. Allez, achetons un nouveau chien. Pour réparer le cœur brisé d'Alexouille. Je crois que c'était Alexouille qui avait le chien. Hop, voilà. Recrutement, non, on est 14, c'est bien assez. On va donc tracer Arkenstadt, tant pis pour la pour Antendorn. Vu qu'on a acheté des munitions pas trop chères, on va aller chercher notre récompense. 10 000 couronnes, ça va être dur, hein, mais... on va tester, avec un petit peu de commerce et tout, il y a peut-être moyen de faire des trucs. Il y a un temple ici, on va peut-être pouvoir payer nos... Ouais, encore que c'est la dèche. Alors, combien on récupère? 572 couronnes. C'est... Wow. On est content avec ça. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes cette fois? 3 crânes. Alors, les mauvaises cartes sont comme du poison pour une armée, une bonne carte... Cependant, et de l'or, enfin vaut de l'or. Ok, donc il a brûlé sa carte, hein, parce que c'était de la merde visiblement. Ensuite il sort une belle carte de son bureau, la plus belle carte qu'on ait jamais vue. Alors, la défaite de Ludolf et la cachette des forestiers. Donc c'est là que les morts vivants viennent. Et il nous demande d'aller s'occuper de ça. On va demander un peu plus. 5000 couronnes. Oui, alors 3 crânes quand même. Hein. Buter 2 spots de morts vivants. Bien renforcés. Ça peut le faire, mais ça peut aussi très mal se passer. Hein. Donc on va soigner nos blessés qui sont dans le mal. On va regarder ce nouveau contrat, un contrat à 3 crânes. Ok. Donc lui, il s'est fait voler un truc. 1310 couronnes, lâche plus, 1420, on va accepter. Et celle-là, on va la faire par contre. C'est aussi du 3 crânes, mais c'est un truc qu'on maîtrise un peu mieux. Et puis pas trop de morts vivants en tout cas. Bon, sur 3 crânes, il y a moyen qu'il y ait un nécromant qui soit aux fesses. Hein. Pourquoi ils se barrent toujours par là, dans ce coin, c'est ouf. Ils arrêtent pas de se faire piller des trucs dans cette ville, et les mecs, ils se barrent toujours dans la mer, quoi. Ça va nous permettre surtout de nous faire un petit peu de blé pour racheter des outils, parce que là, c'est compliqué. Alors, en avant, on les trace, où est-ce qu'ils sont partis? Allo? Oh la vache, ils sont partis hyper loin. Hein. Ok, ils sont là, ils sont 10. Et il n'y a pas de nécromant, et ça c'est cool. Ah bah si, il y a un nécromant. On les rattrape alors qu'ils sont en train de vendre leur truc au nécromant, à un nécromant ancien. Donc autant dire que ça va piquer un peu. Avec les morts vivants qui ressuscitent. Bon, on a une position de départ pas trop dégueulasse, cela dit. Niveau vie, on est pas trop mal, donc on va attendre qu'ils se pointent. D'accord, ils reculent carrément. Ils reculent carrément, les mecs. Donc là, ils protègent leurs archers. Bon, bah visiblement il va falloir y aller comme ça, donc on va y aller comme ça. En avant les gars. On va pas glander. C'est parti. On tient le flanc avec False Hag.
faut qu'on bute le nécromant avant que des gens ressuscitent en fait. Donc le problème c'est que si on commence à leur faire mal, il va y avoir des morts vivants à ressusciter, et ça me plaît moyen. Hop, putain, il est classe avec son nouveau casque là. Ici, il n'y avait personne qui était à portée. Si, il y a lui qui est à portée. On va tenter un petit tir. Et après, on va avancer. Ouf, il a fait mal à mon bouclier. Ah, ils ont pas mal de throwing spear. Hein. Bah, du coup, on va lui tirer dessus, puisqu'il a la bonne idée d'avoir rien pour se protéger. Ouais, là c'était malheureusement un peu couru d'avance. Ici, on y va et on va mettre un gros coup sur sa tête. On sera, tant pis. Ici, on avance et on va commencer à faire mal à celui-là. Ici, on recharge. On va tenter un tir là. Voilà, parfait. Ça fait un tireur de moins déjà. Par contre, on prend cher. Ah, ici il nous bloque, ça fait chier. Parce que tout seul il peut nous faire chier lui, hein. Parce que je comptais éventuellement contourner par là pour m'occuper du nécromancien, mais. Ils peuvent casser les couilles, hein. Ici on va essayer de se débarrasser de lui assez vite. Avec sa grosse épée, il peut faire mal. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se mettre devant Brand pour le protéger un peu. Ah, dommage, on rate. Là, on va mettre un peu plus de monde. Bon, 30% de chance, c'est pas ouf, mais bon. Hop, pas de bouclier. En même temps, c'est surfait, hein. Lui, non. Pas de bouclier, il nous défonce, quoi. On se débarrasse de celui-là très très vite là. Oh putain, mais voilà, il va commencer à foutre la merde l'autre. Là là! Merde. Un Kiridri, décidément, ces derniers temps, il prend cher. Hein. Lui, la tour, il a joué. Là, on lui met un petit coup de merde. Ah, fait chier. Alors là, ça va piquer. On va se protéger. Il va être obligé de passer par là, de toute façon, pour l'instant. Tapons sur lui. On se rate. On touche. Dommage, un autre mort. Enfin, dommage. C'est toujours un peu chiant, mais du coup, lui peut se pointer. Foutre la merde. Ok, ça va. Lui, il est toujours en shield wall. Ouais, malheureusement. Bordel. Ouais, là, du coup, on a lui qui s'est collé à nous. Donc, on prend l'épée. On lui découpe la tronche, donc lui s'enfuit. Ce qui veut dire qu'il faut absolument qu'on s'occupe de celui-là. Ah, dommage, le premier coup était potable, mais le suivant c'était de la merde. Allez, on avance. Ah putain, il joue en premier du coup. Bon, ça va, il a juste une petite dague, mais. Ah, j'ai cru qu'il s'enfuyait, mais non, il recule juste. Oh putain, la vache quoi! Faut arrêter le délire là. On va se protéger parce que putain, l'arbalétrier là, c'est le drame. Hein. Ok, ici on va essayer de se débarrasser de celui-là. Raté. Ah d'accord.
très très bien. Tirons dans le tas. C'est ouf la quantité de chillwall qu'ils font quoi. Ok, les deux s'enfuient là, ça c'est cool par contre. Ici on va tracer en essayant de rester un peu loin. Alors ici il faut se débarrasser de lui là qui nous coince. Alors là je vais essayer de stun ce mec. Et merde raté, putain je l'ai même pas tué quoi. J'aurais pu le buter mais non. Là on va être obligé de passer au large. Un peu chiant mais on peut pas faire mieux. Toi. Sauve ta vie Kiridri là, bute ce mec. Ok il a bougé, il pourra pas recharger, c'est toujours ça de prix. Oh putain par contre il va ressusciter d'autres gens. Aïe, aïe, aïe. Venge-toi. Parfait, il s'enfuit. On peut commencer à se faire le nécromant. Putain, il est quoi, c'est caché derrière un fucking buisson, quoi, sans déconner. Ici, on est collé à lui qui ne s'enfuit pas. Donc c'est mieux de les faire s'enfuir que de les tuer, hein, pour l'instant. Oh non, le drame. Va là déjà. Puis on va lâcher un clébard en espérant qu'il charge le nécro. Ouais, parfait. Ça c'est nickel ça. Il va plus pouvoir utiliser ses sorts déjà. On va aller mettre quelqu'un en renfort pour aider à le buter, mais. Oh non, tu déconnes, t'as plus ce qu'il faut. Bah écoute, tu vas aller là. Alors si je vais là, je peux plus faire de rotation. Putain. Ah, Kiridri va crever quoi. Alors. Je peux pas faire une deuxième rotation, hein, non. Ouais, dommage. Kiridri va crever parce que Nosborn est trop fatigué. Oh là là, la tristesse. La tristesse. Puis alors l'autre là, il tank toute la misère du monde tout seul. C'est la fête quoi. Donc, bute-moi ce con, voilà, merci. Lui, il va falloir qu'on s'en occupe un moment. Ah, puis on a Magic Drops qui s'enfuit, dis donc. Qui est en panique. Bon, avance un peu. Tu pourras tirer après. Là, faut s'occuper du nécromant. S'il te plaît. Toi tu pourrais pas être occupé de lui là, ouais, tu pourrais complètement être occupé de lui parce qu'il fout un peu la merde lui, hein, très honnêtement. Ok, ça c'est fait, on va ici. Ah, j'aurais peut-être dû... Oh mais vous déconnez. C'est une blague quoi. Oh là là, mais c'est abusé de... Là, on perd des gens parce que les mecs, ils touchent pas avec des pourcentages de chance de fou encore. Vous êtes encore en train de jouer les aveugles, les gens. Je tiens à vous le dire, quoi. On a des morts à cause de vous. Faut arrêter, quoi. Faut pas faire ça, ça nous fout dans la merde. Bon, lui, ça y est, c'est bon, il s'enfuit. Pour la peine. Tiens, mange. Ça t'apprendra à faire ton malin, foiré. Ah bah dis donc, on a réussi à faire un coup à 71% de chance quand même, hein. Attention.
Ça déconne plus. Attends, on va réussir à toucher à 90%. Là, toujours pas moyen. Là, il n'y a pas de bouclier. Ouais, bon, ok, on va lui enlever 2 PV parce que pourquoi pas. Ok, lui, il a repris son moral. On va en profiter pour finir ce type. Ici, c'est bon. Allez, hop, reviens. Lui, il arrive à s'enfuir grâce à son bouclier. Très très bien. Donc là, on a Kirillri qui a ressuscité. Donc il est bel et bien mort. C'est un peu triste, mais bon. On va devoir s'en occuper du coup. Ouais, non, ici on est collé, on peut pas y aller. Faut s'occuper de lui. Ici, on va prendre le marteau, puis on va se coller à lui pour essayer de lui foutre un coup pendant qu'il se tire. Par pure vengeance. Voilà, ça c'est fait. Ici, on y va. Au moins, on le coince. Il est tellement loin, quoi. On peut même plus taper après avoir bougé. Bon, ici, on va aller se rajouter là. Ah, on peut taper un coup. On va essayer. Ouais, parfait. Non, non, It's Over, c'est bon. Hein. Kirillri, je suis désolé. Bon, bah, du coup, Kirillri, qui après, quand même, combien de temps? 54 jours avec la compagnie, 27 kills en 30 batailles, nous quitte malheureusement. Bon, Joderic, il était tout neuf, donc c'est un peu moins triste, même si c'est un peu chiant quand même. Kirillri, ça fait chier. Hein. On a quand même Monkey et Falsac qui prennent des niveaux. Bon bah, toujours ça de prix. Ah là là. Et ben. Ça valait pas le prix qu'on sera payé, clairement. Peut-être faire des trucs un peu plus rentables. Hein. Bon bah Falsac, du coup tu vas retourner devant parce que du coup c'est un peu la dèche de première ligne. Yilek, pareil, tu vas aller prendre la première ligne avec ton épée. Enfin, tu vas garder tes javelines, mais tu les quitteras assez vite, je pense. Jiroy, Jiroy, il te faut un peu de défense hein. Et un peu de toucher aussi. Et de la fatigue. Alors, qu'est-ce qu'on va te prendre? Donc ça, non. Footwork, non. On va prendre Dodge pour faire un petit boost de défense. Alors Monkey qui prend un petit niveau, parfait. On va lui monter sa défense. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait prendre de beau? Dueliste. Donc ça non, il peut aller une arme à deux mains. Killing Frenzy. Ok, non. Bof. Fearsome. Ouais, il peut toucher qu'une fois. Je pense que Berserker serait peut-être plus rentable. War Battle Forged. Ouais. Il n'a pas vraiment d'armure lourde, il n'est pas vraiment là pour prendre des coups non plus. Ça c'est pareil, il peut toucher qu'une fois, donc c'est vraiment pas ouf. Hein. Il n'y avait pas un truc... Ouais voilà, c'est ça. Il y a quand même beaucoup. Très souvent, quand il tape, il y a des ennemis autour, donc on va prendre Backstabber. Ça fait assez sens avec lui. Falsag. Falsag, faut qu'il prenne quelque chose de toucher supplémentaire. Bah, il faudrait qu'il prenne de la défense aussi, mais malheureusement, c'est pas possible. Donc en attendant, il va prendre de la vie. Et au niveau des perks. Plus de chances de toucher la tête. Alors déjà il a un fléau qui donne pas mal de chances. Je vais plutôt prendre Berserker avec lui. Ça coûte 4 AP le coup de base là. Donc ça peut être pas mal s'il arrive à tuer des gens. Au moins il pourrait rejouer. Bon bah faut qu'on retourne chercher notre petite récompense. On est 12 hein, ça va, c'est pas non plus dramatique. Par contre c'est sûr qu'on a souffert.
On va mettre... bah d'ailleurs, je peux même mettre tout le monde en fait. Hein. On va mettre tout le monde. Au niveau des outils, c'est le drame. Bon, je pense qu'on va prendre la quête du noble quand même. Par contre, il va falloir qu'on mette quelqu'un à la hache. Hein. Parce que les anciens légionnaires avec leur saloperie de bouclier... clairement, c'est ça qui nous a foutu dans la merde. Hein. Pas pouvoir détruire les boucliers, c'est la violence. Ok, on a réussi 1420 couronnes, c'est toujours ça de prix. Bah on va payer du coup pour soigner... putain, 200 et 200, oh là là, c'est le drame. Allez hop. Il le faut. Au niveau des outils, 340 les outils, vous êtes sérieux. Putain, c'est la violence. Bah faut qu'on en achète au moins une stack, hein, on n'a pas vraiment le choix. Par contre on peut vendre des fourrures d'un prix très intéressant, on va le faire. Même tout le reste est super cher quoi. Wallala. Wallalalalalala. Bien. Est-ce qu'il y a des trucs pourris qu'on pourrait vendre? On a beaucoup de Morgenstern, enfin d'étoiles du matin, on les vend. On a une petite dague ici récupérée de notre mec décédé. Des petits boucliers de merde, on va les vendre. Les casques à 110 là. On va vendre quelques-uns, ça c'est pété, on va le vendre aussi. Ok. Bon, on a récupéré quelques outils suffisamment pour se réparer, même si c'est pas ouf. On va acheter un œil vite fait, mais on a quoi? Non, bof, un cultiste, ouais, bof, un maçon. Ouais, non, rien de fou. Après, c'est vrai qu'on a une très très grande ligne de combat du coup, hein, mais bon, tant pis, on va faire avec. Qui c'est qui a pas de spécialisation encore? L'auteur a pas de spécialisation, il pourrait prendre une hache. Lothair, tu vas prendre la Fighting Axe. Ah, on a perdu la Fighting Axe. Oh merde. Je l'ai pas vendu par accident. Non. On a perdu la Fighting Axe avec Kiridri. Eh ben, c'est bien dommage. Du coup, tu vas prendre une hache de base. Et Yilek, bah, tu vas prendre un... Tu vas y aller à la lance, hein, en fait, finalement. Parce qu'il va falloir protéger un petit peu les flancs face aux morts-vivants. Pourquoi? Ah oui, non, toi... Mais pourquoi je t'ai... Mais j'ai pas toi. Ah, mais je me suis planté. Je l'ai filé à... C'est à lui que je voulais la filer. Hop, reprends ça. Toi, reprends ta lance. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Donc on a lui qui peut péter des boucliers là. On a lui qui... On va le mettre ici pour pouvoir péter des boucliers là. Et on n'est pas si mal, on va dire. On n'est pas si mal. Bon bah eux, ils seraient mieux avec des armes de longue portée, hein, parce que forcément leurs munitions, elles font pas grand chose. Mais comme il y a souvent des Winderganger quand même, ils peuvent aider. Si on va se mettre comme ça plutôt. Bien, on va prendre cette quête, 5000 couronnes. Alors on va regarder en speed où c'est. L'un là. Et l'autre c'est où? C'est là, ok d'accord. Bon, bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je suis désolé pour les pertes, hein, malheureusement c'est la vie de la compagnie. N'hésitez pas à ouvrir les yeux pour la prochaine fois et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.